On est mercredi, c'est donc la pause rurale. Avec Joël Giraud, avec qui j'ai eu l'honneur de passer 3 ans et demi à la commission des finances alors qu'il était rapporteur, incollable sur les sujets de finances publiques, incollable en matière de hard rock, et je peux vous dire qu'il a su donner de la voix, j'en ai encore des preuves. Eh bien, aujourd'hui, le coq n'aura pas du tout les accents du métal et de Rammstein. On va rester dans le classique. Aujourd'hui, avec Olivia, je souhaite vous parler de l'économie sociale et solidaire dans la ruralité. Et pour l'occasion, je partage cette pause rurale avec l'excellente Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. La crise nous l'a montré. Les solidarités irriguent nos territoires et renforcent leur capacité de résilience. L'enjeu est assez simple, faire face ensemble aux défis de ce siècle. Et il est absolument nécessaire de développer sur tous nos territoires un maillage d'entraide solide. C'est pour cela que nous nous engageons, pour renforcer un réseau solidaire dans nos campagnes, mais aussi une économie dynamique et responsable. Nous avons ensemble décidé de mettre ensemble nos ministères respectifs pour adresser ce sujet, joindre leurs forces pour mieux accompagner le développement et le financement de nombreux projets qui justement viennent promouvoir ces valeurs et construire, consolider sur nos territoires l'économie sociale et solidaire de demain, à leur échelle, à l'échelle de nos précieux territoires. Bouge ton coq, par exemple, une association fruit d'une initiative citoyenne qui s'inspire de l'agenda rural que nous avons mis en place pour apporter plus de solutions à nos territoires en mobilisant des citoyens, des responsables associatifs, des élus et des chefs d'entreprise. Ça se voit dans nos territoires, entre autres par la création de nombreuses épiceries solidaires. Nous en avons d'ailleurs inauguré plusieurs ensemble. Je pense aussi évidemment au label Bistrot de Pays que nous soutenons avec force et qui regroupe des lieux de rencontre, de convivialité, de services, de terroirs au cœur des espaces ruraux. Tous ces projets que nous soutenons avec Olivia permettent de valoriser une économie sociale en plein développement et qui prend aujourd'hui encore plus de sens. Alors ensemble, continuons d'investir dans nos campagnes